Bon, j'aurais Minecraft ici, c'est le B35 pour une nouvelle partie de ma survie sur cette île déserte. Donc, mes deux acolytes, Tingeoff, le muet, et Mister Fanax sont partis explorer un peu. Je me retrouve donc tout seul à explorer cette caverne. Oh mon dieu, ce monstre vert là, qu'on avait appelé Creeper. Ceux qui ont attaqué Tingeoff, les vilains. Bon. Et un zombie. Génial, même les cavernes sont hantées. Même les cavernes sont maudites. Bon, comment je vais m'engager là-dedans, moi? Je peux pas y partir directement comme ça. À la limite, ce que je peux faire, c'est un escalier entre guillemets, en colimaçon. Je pense que ça peut le faire. On va y arriver, on va arriver en bas. Et ce sera cool. Allez, j'espère que tout va bien se passer. Je vais pouvoir aussi m'abreuver à la fontaine pour gagner un petit peu d'énergie, parce que je me sens un tout petit peu affaibli quand même. Et c'est mieux d'être en pleine forme quand on s'attaque à des monstres dans une caverne. Et je pense que, comme Tarjoff le disait, leur apparition dépend de la luminosité. Oula, je m'en rapproche dangereusement. Vais essayer de fixer un repère pour pas me perdre. Parce que ce serait quand même... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un petit truc vert. Qui fait chplouf. Un petit truc qui rebondit, c'est sympa. Dans quel monde vivons-nous? Oh mon dieu, je veux rentrer chez moi. Ah! Il a... Ouch! Tiens, dans l'eau, il semble ne pas exploser, un peu comme un pétard mouillé, c'est tout sympa. Hop, là, j'ai des torches, je sais que c'est par là. Attention, le zombie. Bim, dans la lave. Tiens. Tiens, 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 j'apprends quelque chose. J'arrive pas à ramasser de l'eau. Oh mon dieu, non, un archer. Pas possible. Aïe! Allez, on va essayer de remonter là. Attention au squelette. Il m'a pas vu. Oh là 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 là. Ouf, j'arrive à remonter comme une carpe, c'est magnifique. Je suis tombé très bas. Au sens figuré, évidemment. C'est bon, je peux respirer. Je n'y vois pas grand chose. Là. Bon, je vais y arriver. Je vais reprendre toute mon énergie. Voilà. Aouh! Hey! Je me sens de plus en plus faible, c'est horrible. Tiens, une petite boule de gelée par terre. Les deux zombies la protègent. Oh là là. On peut plus s'abreuver directement dans les coulées d'eau. Faut se rejoindre. Faut rejoindre la source pour pouvoir reprendre de l'eau. C'est bon à savoir. C'est pas très logique, mais bon, c'est bon à savoir. Allez. Je vais partir de ce côté-là. Essayer de remonter. Un peu et récupérer quelques ressources. On va en avoir besoin. Allons-y. Ok, donc on arrive vers la fin. Il n'y a plus rien après. Tiens. Voilà un petit peu de fer. On peut le reconnaître assez facilement avec sa couleur orangée d'oxydation. Sauf que l'oxydation dans des cavernes privées d'oxygène, ça me paraît un peu étrange, mais bon. Visiblement, ce monde a ses lois. C'est irréfutable. Ça doit être normal. Allez. On est plutôt bien parti, on va survivre. On va survivre, on va retrouver les autres. Et ce sera l'happy end. Par contre, on sait toujours rien à propos de la malédiction
qui traînent sur l'île. Je croise pas mal de monstres absolument hostiles et horribles. Mais on peut pas savoir d'où ils viennent pour l'instant. Assez pénible. Donc, combien j'ai de fer actuellement? Ok, 13 pour le moment. Il semble y en avoir d'autres dans le coin, donc ça va. Ah, ok. Visiblement, ces bestioles-là n'aiment pas l'eau. Ok, donc... Alors... Parfait. Ouch. On va faire attention à moi. Il y a un peu d'or par ici, mais bon, ma pioche ne va pas être assez solide pour en creuser. Je vais reprendre un petit peu de charbon. Oh, plus de pioche. Ok, j'ai cassé ma pioche. Félicitations à moi. Vous pouvez m'applaudir. Je sais pas si mon caméscope a encore beaucoup de batterie. Ok, c'est quoi cette petite pierre un peu... Oh là là. Je penche dangereusement vers la lave. Et vous savez tous que la lave, c'est pas bien. C'est dangereux. Ok, je vais remonter ici. Je vais... Tiens, il y a encore du fer ici. Mais je n'ai plus de pioche. Je vais essayer de me mettre en sécurité déjà. Voilà. Est-ce que j'ai du bois? Forcément, très peu. Je vais me refaire un atelier pour me refaire une pioche. Oh là là là. J'ai laissé tomber mon arc dans la lave. J'ai plus du tout de bois sur moi. C'est génial. Voilà. De faire par ici. Et ben ça va, on accumule, ça va bien se passer. Je vais remonter rapidement parce que là il y a encore un petit peu de fer par ici. C'est les derniers que je vais prendre et puis je vais remonter, essayer de voir si mes deux acolytes, hein, Geoff et Mr. Fanax, sont revenus de leur exploration. Alors, et hop, le petit dernier. Voilà, allez, je rentre immédiatement. Je quitte ce lieu maudit. J'ai bien failli trépasser avec, avec ces histoires-là. Je vais récupérer un peu d'énergie. Je me sens un peu faible. Allez. C'est fatigant. Bon. De pierre pour remonter, ce sera plus simple. Voilà. On va voir s'ils sont rentrés, hein, évidemment. Ah, donc on est la nuit. Cool à savoir. Ouf, il y a des monstres encore. Ouh, trois archers squelettes d'un coup, ça va être un petit peu juste. Aïe, 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 ah, au secours, aïe, ah. Ouf. Oh. Ah ouais. Attends, Geoff. C'est toi qui m'as ramené ici? Bah, c'est vrai, tu peux pas me répondre. Bon. Oh, ça fait plaisir. D'avoir survécu. Ils sont vraiment très hostiles, hein. Va falloir faire très attention à ça. Bonne idée, moi aussi je vais aller me ressourcer. Oh là, c'était pas un bon plan, c'était pas du tout une bonne idée. On va se faire tuer par des dizaines de creepers et de squelettes. Ça y est, déjà les cultures sont déjà mortes, ça me rappelle la saison dernière ça. Oh, les cultures sont mortes numéro 2, ça me rappelle la saison dernière, numéro 2 aussi. Mourez, sale bande de
Zoom. Pas possible, ça c'est la fête aux explosions, au secours. Aïe. Bon. Ben pour ce qui est de la reconstruction de terrain, on a du boulot, hein, Tinjoff. Ah, vraiment. Quelle cruauté. Je vais les faire payer. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Faut que je rejoigne mon chez moi. Oups, désolé. Ah non, non, pas le creeper, pas le creeper. Aïe, mais... Ok. Je me fais toucher à travers les portes. Bon. Ben voilà. Si personne ne respecte les lois de la physique, pas de problème. Soyons fair play. Si on me respecte pas les lois de la physique, je ne vais pas les respecter non plus. Oh, je suis cerné. Faut que j'arrête de sortir. C'est stupide. C'est vraiment trop stupide. J'arrive à me traîner jusqu'ici. Bon. Dilemme. Comment je peux faire pour les combattre? Pas vraiment. Et je n'ai plus du tout d'armure. Je vais faire cuire mon métal. Et on verra par la suite ce qu'on peut faire. On est vraiment coincé. J'ai cru voir un creeper derrière. Et des bras de zombies qui passent au travers des portes. Laisse-moi essayer. Aïe. Hé hey. C'est pas cool ça. Vous êtes pas sérieux. Bon. Le jour se lève. Le jour se lève. Je suis heureux. Je pense avoir du fer, je vais pouvoir me faire des choses avec. Genre une épée, ma première priorité pour l'instant. Hein. Faut que je retrouve... Oh, ça va Tarjoff? J'ai entendu une explosion. Ok, je vois. On a du boulot, on va falloir reconstruire tout le terrain. Ah, j'ai une épée. Voilà. Ouf, bon. Je crois qu'une régénération de vie s'impose. Puis après, je vais retourner vite fait à ma base, ranger mes ressources. Et j'irai explorer un petit peu. On va un peu découvrir ce monde qui nous entoure. Oh non, encore un squelette. Ce que le minéral ça fait du bien après une nuit de torture. Au secours des creepers. C'est vrai qu'ils disparaissent pas le jour les vilains. C'est pas moi qui voulais ne jamais exploser ces lieux avec les creepers. J'avais très peur pour la construction de Tinjoff. Et ça s'est révélé ah, ouf. Allez, je vais rentrer chez moi vite fait. J'avais fait cuire des trucs par contre. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça, bon. Allez. Bon allez, je retourne chez moi, je fais le point et je pars en exploration. Bon, de la chair de zombie, c'est mieux que rien pour manger. Quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la main. Quand on a rien d'autre sous la main. Ah oui, ok, d'accord. Ça nourrit pas tellement en fait. Ça nourrit même pas du tout en fait. Et c'est franchement indigeste, hein, si vous voulez mon avis. Alors.
Ah, j'ai dû laisser une partie de mon fer chez... J'ai éteint, je... Bon, pas grave. Ah oui, merci. Vais faire cuire ça. Voilà, je vais me faire un petit coffre. Je vois que j'ai plus tout de bois en fait. Il va falloir que j'aille en chercher un peu. Ça va se faire vite, ça va se faire vite. Plouf. Un peu de bois, ça fait toujours du bien. C'est toujours nécessaire. C'est bon, j'ai du bois. Maintenant, je vais pouvoir y aller. Je vais me faire un coffre, ranger un petit peu ce que j'ai d'inutile. Et je vais pouvoir... partir un peu en exploration. Hop, toute cette pierre inutile là. L'arc éventuellement je peux le garder. Outil de navigation surtout. Alors les bouteilles j'en ai besoin, ça c'est indéniable. Hop. Hop, voilà, c'est à peu près bon. Je peux y aller, donc... Allez, j'y vais. Allez, on y va. Je vais partir dans cette direction, c'est un coin qui me semble plutôt sympathique. Allez, à bientôt, Tarjof. Quand même triste ceux qui sont toujours muets. J'espère qu'un jour il va guérir, ce serait tellement un miracle. Où est-ce que qu'on me repère sur l'outil de navigation? Ah, je suis dans le coin. Je ne suis pas vraiment indiqué. Bon. C'est pas grave. Hey, regardez! Oh mon Dieu, mais c'est incroyable, tu es vivant! Tu es vivant? Oui. Pourquoi toi? Aïe! Hey! Je tiens à te donner des cadeaux. Ah, c'est gentil. Des cadeaux. Quel genre de cadeau? Cadeaux. 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 Cadeau, Cadeaux. cadeau, Cadeaux. cadeau, cadeau, cadeau. Ok, ça fait des cadeaux, ça c'est des cadeaux. Comment as-tu pu survivre enfin? Tu te fais éjecter de l'avion si violemment. Mais je suis atterri dans l'eau qui est juste à côté de toi. T'as dû faire mal quand même. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est tout. C'est pas d'autres cadeaux. Il a survécu. C'est gentil de me donner autant de cadeaux, cadeaux, cadeaux. Cadeau. 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 Pourquoi Cadeau. lui? Aïe! Cadeau. Hé! Ah! Cadeau. Est-ce que tu peux m'avoir fait saigner? C'est pas possible, il y a eu des réflexes de cannibale. Y a une bouteille. C'est bon, j'ai de quoi. Redonne la bouteille. Redonne, redonne, redonne. Merci. C'est pas la même, mais bon. C'est une contrefaçon! Ah, et autrement, j'ai aussi autre chose. Quoi donc? Ça. Oh, un bouquin! Qu'est-ce que t'as écrit dedans? C'est ta biographie, ta survie, Merci. Ok, des pages blanches. Bon, bah merci, ça peut toujours servir. C'est arrivé par là, je vais voir ce qu'il y a par là. De la viande de zombie. Tu habites dans une viande de zombie. Oh, il y a Tarjof avec du fer. Tarjof Tiens, avec Georges du nous a rejoint, tiens. Avec du fer. Plaisir. Fer. Fais gaffe parce que tu vas finir par vraiment nous faire mal. On essaye de survivre et toi tu nous tues, c'est n'importe quoi. Bon. Alors je disais qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais me faire des trucs avec mon fer là.
Bon, tu m'avais donné du fer, il me semble. Oui, beaucoup de fer. Énormément de fer. Bah, il reste plus grand chose. Je suis pas d'armure, moi. File-moi du fer. Ok, bah, je te file tout ce qui me reste. Oh, un lago. Il y a autre chose dans ma base, mais c'est nul. Donc, j'ai tout pris. Allez, on y va. Je la fais où, mon usine de feu d'artifice? Je calme. Quelle usine de feu d'artifice? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a complètement perdu la boule. Il était déjà assez taré comme ça. Mmh. Il est encore plus perdu là. C'est très beau par ici. Des fleurs. Oh, attention, mon caméscope n'a plus de batterie. Mon caméscope n'a plus de batterie. Il va falloir que je le recharge avant qu'on puisse continuer. Bon. Bah, on dit au revoir à viewer. Attention, ça va très bientôt couper. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était